Il a brisé mes péchés. Il a brisé ton fils. Il a brisé, brisé. Il a brisé, brisé. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Il a brisé, brisé. Il a brisé. Nous allons aller rapidement dans la parole de Dieu. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. Néhémie, le chapitre 4, à partir du verset 2. Ils se sont tous ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Toutefois, les Judéens disaient, la force des porteurs de fardeau va faiblissant. Il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et nous ferons ainsi cesser le travail. Alors les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tout leur lieu de domicile. Il faut que vous reveniez chez nous. J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, en contrebas, derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles et aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant. Et nous sommes tous retournés à Jérusalem jusqu'à son travail. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillait à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda, ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet de l'autre. Dis Amen. Acclame le Seigneur pour la parole. La Bible nous parle d'une histoire qui s'est produite à Jérusalem. Notez que Néhémie était un échanson. L'échanson, c'est celui qui sert à la table du roi. C'est celui qui sert le vin.
à la table du roi. Et Néhémie était échanson du roi. La Bible dit que Néhémie, en déportation, lorsqu'il est arrivé chez le roi de Babylone, la Bible déclare qu'il était comme esclave parce qu'il servait avec une pression. La Bible dit que Néhémie étant à Jérusalem, Néhémie étant dans cette ville, la Bible dit qu'il va apprendre une nouvelle lointaine qui annonce les décombres de Jérusalem, qui annonce la fatalité qu'a connue Jérusalem après la guerre, qui annonce la destruction totale de Jérusalem. Les murailles qui faisaient la fierté de Jérusalem ont été détruites. Les murailles qui faisaient la force de Jérusalem ont été cassées, ont été ravagées. La Bible dit que Néhémie apprend la nouvelle et une tristesse aux communes habite Néhémie. Néhémie est envahi par un sentiment de l'amour de sa ville natale. Néhémie est animé des sentiments de l'amour du pays dans lequel il est né. Lorsque Néhémie a compris qu'il était natif de Jérusalem et que les nouvelles n'étaient pas bonnes à Jérusalem, la Bible dit que la mine de Néhémie va changer. L'expression de son visage va changer. Le comportement de Néhémie va changer. Lorsqu'il passe et vit le roi à la table, il a une attitude de tristesse, d'angoisse, d'amertume. Néhémie est dans un état d'abattement. Néhémie n'a plus la force de servir à la table parce qu'il a appris que la ville dans laquelle il est né a été ravagée, a été détruite. Alors le roi, remarquant l'expression du visage de Néhémie, il va lui dire, mais qu'est-ce qui se passe et que ton visage a changé? La Bible dit que Néhémie dit au roi, ma ville natale, mon pays natal a été détruit et je viens d'apprendre des nouvelles disant que les murailles ont été ravagées. Notez que toute muraille dans une ville fait l'héritage de la ville, fait la fierté de la ville. Une ville sans héritage, c'est une ville qui est perméable. Une ville sans héritage, c'est une ville sans muraille, c'est une ville qui a la possibilité de recevoir toute forme d'attaque parce que la muraille fait la fierté d'une ville. Mais Néhémie apprend que sa ville n'a plus de muraille. Quel est le sentiment qui habitait Néhémie? C'était l'angoisse. Quel était le sentiment qui habitait Néhémie? C'était le désarroi parce que la ville n'avait plus de muraille. Alors le roi dit à Néhémie, il dit, voici ce que je peux proposer. Tu iras en vacances, mais tu vas avoir l'intention, le projet de rebâtir la ville. Tu vas rebâtir les murailles. Tu vas rebâtir ta fierté. Tu vas rebâtir la ville qui a été détruite. Mais je te donne des moyens de provision. Tu iras avec cela. Prends cela. Prends des bois. Prends de l'argent. Prends de l'or. Va à Jérusalem et rebâtis ta ville. Lorsque Néhémie arrive, la Bible déclare qu'il va commencer à rassembler toutes les maisons. Toutes les tribus seront rassemblées pour bâtir la ville de Jérusalem. Toutes les villes vont se mettre ensemble, les tribus. La tribu de Siméon, la tribu de Judas, la tribu de Benjamin. Toutes les tribus vont se faire, vont s'unir pour rebâtir la muraille. Lorsqu'ils vont commencer à avoir l'intention de bâtir, la Bible dit qu'il y avait deux personnes qu'on appelait Sambala et Tobija. Sambala et Tobija mettaient un arrêt au travail que Néhémie battait. Sambala et Tobija étaient les ennemis jurés de la muraille. Sambala et Tobija n'avaient pas l'amour de la construction. Sambala et Tobija avaient des projets iniques. Ils voulaient à tout prix arrêter le travail que Néhémie devait faire. Je veux épiloguer pour que tu comprennes de quoi je vais parler. Qui me dit amen? La Bible déclare, lorsque Néhémie va commencer à bâtir, Néhémie va recevoir des moqueries. Les gens vont rire, disant que tu ne réussiras jamais à relever la muraille. Parce que la muraille, vu les décombres, c'est pas possible que la muraille se relève. Vu la fatalité, vu la calamité, vu la catastrophe, vu le cataclysme, c'est pas possible que la muraille se relève. Mais la Bible déclare que Néhémie va bâtir. Écoutez, beaucoup de personnes ne croient pas en toi parce qu'il y a beaucoup de décombres. Quand ils regardent ta vie, ils se disent que ce n'est pas possible que Dieu fasse quelque chose. Mais je te dis quelque chose. Tiens à ton rêve, tiens à ton projet, tiens à l'ambition que tu as, car avec Dieu rien n'est impossible. Qui me dit amen? Dis à ton frère, je tiens à mon rêve. La Bible déclare
Toutefois, les Judéens disaient, la force des porteurs de fardeaux va faiblissant. On ne peut pas construire une ville. On ne peut pas construire ou réaliser quelque chose s'il n'y a pas de porteurs de fardeaux. La Bible dit, la force des porteurs de fardeaux va faiblissant. Il y a tellement de décombres. Écoutez-moi bien. Souvent, tu n'as plus la force de porter la vision à cause des décombres. La Bible dit, il y a tellement de décombres que ma force est affaiblie. Il y a tellement de décombres que ma force ne répond plus. Il y a tellement de décombres que je n'arrive plus à porter le rêve. Écoutez-moi bien. Dans toute activité où il n'y a pas de décombres, ça veut dire que l'activité que tu es en train de faire, c'est le diable qui est en train de te pousser. Parce que toute activité dans laquelle il y a un fruit pour l'avenir, il y a des décombres. Mais la Bible dit la force des porteurs de fardeau. On ne peut pas réussir une activité si on n'a pas l'intention de porter un fardeau. Tu ne te lèveras pas pour réussir sans avoir l'intention de porter un fardeau. Porter le fardeau, c'est porter l'endurance, c'est porter la souffrance, c'est porter malgré tout ce qui arrive, porter la persécution, même le chagrin, il faut le porter. On ne peut jamais réussir une activité sans porter de fardeau. Est-ce qu'à l'église, il y a des porteurs de fardeau? Il y a des déposeurs de fardeau. Mais ils ne portent pas les fardeaux. Tu ne réussiras pas ta vie chrétienne sans avoir l'intention de porter le fardeau. La Bible déclare que les porteurs de fardeau s'affaiblissaient à cause des décombres. Parce que quand ils portent le fardeau, il faut marcher sur les décombres. Il faut escalader des cailloux. Il faut marcher sur des pierres pour arriver à l'endroit indiqué. Mais à cause des obstacles, ils se sont affaiblis. Beaucoup se sont affaiblis à cause de l'épreuve. Tu te dis, est-ce que Dieu me connaît? Vu la situation que je traverse, j'ai du mal à payer ma maison. Je ne suis pas marié. Je n'ai aucune situation. Rien n'a changé dans ma vie. Depuis que je vais à l'église, ma vie n'a pas bougé d'un iota. Depuis que je vais à l'église, je n'ai pas encore été transformé. Les gens rendent témoignage. Moi, je ne rends pas encore mon témoignage. Vu ma situation, est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Vu mon état, est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Je traverse tellement de situations que je veux laisser le fardeau. Je te dis quelque chose. N'abandonne pas le fardeau. Car derrière tout fardeau, il y a une récompense. Si Dieu a permis que tu portes le fardeau, ça veut dire que Dieu réserve un temps de récompense. Dis à ton frère, je suis un porteur de fardeau. Alléluia. Alors, la Bible dit que la force des porteurs de fardeau s'affaiblissait. Et les Judéens disent, ils ne parviendront pas à reconstruire la muraille. Quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et ils verront ainsi cesser le travail. Or les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir. Au verset 7, j'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Néhémie va procéder à une stratégie parce qu'ils étaient menacés. Ils avaient toute espèce de menace. Comment est-ce qu'il fallait reconstruire maintenant la muraille? Néhémie ne va pas rester là à seulement prendre le ciment ou à prendre des briques. Il va procéder à sa propre protection physique. Dis Amen. Il va utiliser 3 éléments. L'épée, la lance et l'arc. Lisez bien la Bible. Toutefois que vous voyez l'épée c'est la parole. L'arme que Dieu donne à ceux qui peuvent reconstruire, c'est la maîtrise de la parole. Un homme qui ne maîtrise pas la parole n'a pas le pouvoir de réaliser. Parce que la parole est une épée à 2 tranchants. Séparant jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments des cœurs. Sans la parole, il n'y a pas de construction. La Bible dit, au commencement était le ciel et la terre. La terre était sans forme. Et vous savez que la terre a été créée, a eu une forme gironde par la puissance de la parole. Tu ne réussiras jamais sans la parole. Il y a des gens qui n'ont pas eu des armes, mais ils ont eu de la parole.
pour vaincre. Sans les sans la parole, tu ne peux pas réaliser ou construire. Il y a des gens qui n'ont pas de la Kalachnikov, mais ils ont la puissance de la parole. Dieu te donne en héritage la parole. Écoutez-moi bien. Lisez bien la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous allez voir ceux qui ont remporté. Ceux qui ont remporté, c'est ceux qui parlaient plus. Satan dit, il est écrit. Jean, il s'est pierre en pain. Jésus dit, il est aussi écrit. La parole contre la parole. Parce qu'il savait que pour posséder ce monde, il fallait connaître la parole. Il fallait avoir un appui sur la parole. Il fallait avoir une connaissance assise dans la parole. Un homme qui n'a pas la parole est manipulable. Il est manéable. Il n'a pas de fondement. Il peut tomber. Lorsqu'on lui parle, il croit parce qu'il n'est pas assis dans la parole. La parole, c'est l'état dans lequel on doit fonder notre vision. Sans la parole, tu ne réussiras rien. La parole, c'est le socle. La parole, c'est le fondement. La parole, c'est l'auteur, l'acteur, le présentateur, le réalisateur. La parole donne une image. Un homme qui n'a pas la parole ne réussit pas. C'est la parole qui fait réussir. Dis amen. Il lui a donné une épée. Il y a un homme dans la Bible. On lui a dit, toi là, tu vas errer ça et là, mais tu vivras par ton épée. Tu vas errer ça et là, mais c'est pas ton épée, tu vivras. Écoutez, l'épée, c'est la parole. Tu n'as pas la parole, tu ne le peux pas vivre. Oh, la Bible dit, le juste vivra par sa foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que tu entends qui te donne la foi. Oh, ce que tu entends, c'est la parole. Qui me dit amen? Maman, tu es bénie. Dis la parole. Dis la parole. Quand l'ennemi se lève, je me lève. La Bible déclare que Goliath a voulu intimider David. Il dit, tu es petit. Regarde ta taille. Moi, je suis un combattant depuis ma naissance. Je connais l'art de la guerre. Je connais les stratégies pour vaincre mon ennemi ou mon adversaire. Il a voulu l'intimider. David a bouché ses oreilles. Il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. David a su qu'il ne fallait pas dialoguer avec celui qui prétend avoir la parole. David avait un fondement sur lequel il avait une assurance. C'était la parole personnelle. David a été ouin dans le désert, mais Goliath n'était pas là. Goliath n'a pas vu que David n'était pas un homme. Goliath, pour lui, à sa naissance, il était habilité à la guerre. Mais David savait ce qu'il avait reçu dans les écrits. Ne te fie jamais à l'apparence. L'apparence est l'arme par laquelle le diable passe pour déstabiliser. Qui me dit amen. La Bible dit, Ève est rentrée. Elle a vu le serpent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à faire quoi? Dialoguer. Le serpent a levé ça dans ses yeux. Il dit, laisse ça. Il dit, si tu manges fruit ça là, tu vas devenir comme Dieu. Et parce que Dieu sait que vous deviendrez comme lui, il vous interdit, il n'est pas bien. Ève ne savait pas qu'il était écrit dans le livre de Psaume 85. J'avais dit que vous êtes des dieux. Le diable ne donne pas ce qu'il n'a. Le diable ne donne jamais ce qu'il a. Parce que le diable n'a rien. Il te donne ce que tu as. Il ouvre tes yeux sur la réalité de ce que tu es. Parce que le diable ne peut rien donner. Le diable ne donne rien parce qu'il n'a rien. La Bible dit, rien. Il dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi et rien. Qui est rien? C'est le diable. Il n'est rien et il ne sera rien. Il ne donne rien et il n'a rien. Voilà pourquoi la Bible dit, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut pas me nuire. Parce que tu n'as pas de nom.
Or, pour vaincre un homme, il faut avoir son identité. Tu ne connais pas mon identité, tu veux me vaincre. Ce n'est pas possible. Qui me dit amen? Tu es au bon endroit et je crois que la parole de Dieu va transformer ta destinée. La Bible déclare qu'ils avaient des arcs. La deuxième chose, ils avaient des lances d'abord. Après l'épée, ils ont eu une lance, la lance. Vous savez que la lance, c'est celle-là qu'on attrape et on court vers l'objectif et on la lance. Quelqu'un me dit amen. La lance est l'image de l'audace. Parce que je fonce vers l'objectif et je lance. Le chrétien veut réussir, mais il n'est pas audacieux. À un moment de la vie, la Bible déclare que les quatre lépreux ont dit, nous on ne reste plus ici. Allons dans le camp des Syriens, si on meurt, ce n'est pas grave. Si on vit aussi, ce n'est pas grave. À une dimension de ta vie, sois un kamikaze. Parce que de toutes les façons, la mort arrive. À une dimension, ne reste plus assis. Fonce vers la mort ou fonce vers la vie. Ne t'arrête pas. Car la Bible dit, si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Car je suis avec toi. Tu n'as rien à craindre. Parce qu'un homme qui n'a pas l'audace ne réussit pas. Il y a des gens qui ont eu l'audace de monter dans pirogue pour venir en France. Il s'est dit un moment, il dit, Abidjan, s'il reste derrière, mourir. Dans la mer, il peut mourir. C'est même mort. Mort par vélo, mort par moto, c'est mort. Allons seulement. Qui me dit amen est béni. À un moment de ta vie, tu as utilisé la parole. Tu es venu à l'église, tu parles bien. Tu connais la Bible. Mais est-ce que tu as la lance? Tu n'es pas audacieux. Tu es limité sur ton rêve. Tu te dis pour toi là, ça va venir. Ça va venir. Attends, ça va venir. Ça vient. Tu n'as pas l'audace de bâtir. Tu n'as pas l'audace de courir vers l'objectif. Tu n'as pas l'audace de te révolutionner. On ne peut pas réussir sans l'audace. Dis audace. Avec Dieu, c'est rouge paix. Dis rouge paix. Noir gagne. Ou c'est noir gagne, rouge paix. Voilà pourquoi. À un moment, Saül, il avait plus, son père Kis avait perdu ses ânesses. Dieu, maintenant, son père lui dit, il dit, va chercher les ânesses. Saül, le père de Saül avait perdu les ânesses, mais quand il est allé, il a gagné la royauté. Avec Dieu, on paie pour gagner. Si tu ne paies pas, c'est que tu n'es pas prêt à gagner. Tu dois perdre pour gagner avec Dieu. À un moment de ta vie, tu perds ton travail, tu perds ton mari, tu perds ton argent, tu perds tes papiers, tu perds toutes ces choses. Mais quand ce qui va revenir, ça ne viendra pas en tant que titre de séjour, ça viendra en tant que nationalité. Il est parti en tant que petit adultère, il reviendra en tant que marié. Il est parti en tant que... Non, écoutez-moi bien. La colombe qui est partie au temps de Noé est partie avec l'esprit dans lequel le déluge s'imposait. Mais quand Jésus est arrivé, cette colombe ne voyait plus le déluge. Elle voyait le Fils de l'homme. Un moment de ta vie, tu perdras des éléments. Mais ces éléments peuvent constituer pour toi dans le futur une base de construction. Qu'est-ce que tu as perdu? Je te dirai ce que tu deviendras. Ce que tu perds. La Bible dit, écoutez, les fils des prophètes voulaient construire une maison. Pendant qu'ils étaient en train de couper avec l'âche, ils coupaient le tronc, la cognée, le fer de l'âche est tombé dans l'eau. Ils ont perdu le fer. C'est pas pour nous, ça a été emprunté. Voilà affaire, voilà problème. Et on va nous donner ici là. Et ça, les pensages chez le voisin, il est méchant. Il m'a dit de revenir avec ma chose. À un moment de ta vie, tu pleures. Tu te dis, est-ce que ça là c'est possible? Il commence à pleurer. Écoutez, Élisée est venue. Tel qu'ils ont pris l'âge, c'est pas comme ça qu'ils l'ont retrouvé. Ils ont pris l'âge normalement, mais ils l'ont retrouvé anormalement. Ils ont pris l'âge naturellement,
mais l'ont retrouvé surnaturellement. La Bible dit, Élisée dit, il dit, où l'âche est tombé? Il dit, c'est ici là. Ce que Dieu te demande, c'est où tu es tombé. Montre l'endroit où tu es tombé, il te relèvera. Montre le site où tu es tombé, il te relèvera. Peu importe ce que tu as vécu, montre l'endroit où tu es tombé. Tu es tombé dans les finances, tu n'as plus d'affaires, tu n'as plus de travail, tu n'as plus de papier. Montre l'endroit où tu es tombé, il te relèvera. Où c'est tombé? Dis à ton frère, où c'est tombé? Peu importe la profondeur de l'endroit où l'affaire est tombée. Peu importe l'endroit, peu importe la profondeur de l'endroit où c'est tombé. Dieu s'en fout de la profondeur. Montre-moi avec ton doigt où c'est tombé. Il n'y a pas de problème à cela. Le problème, ce n'est plus toi. Montre-moi où tu es tombé. Depuis tu vas à l'église, ta vie n'a pas changé. Montre-moi où c'est tombé. Jacob, je vais changer ta vie. Quel est ton nom? Un moment de ta vie, Dieu connaît le problème. Il veut que tu parles. Est-ce que l'ange ne connaissait pas le nom de Jacob? Il voulait que Jacob parle. Quel est ton nom? Qui? Attends, Dieu ne connaît pas le problème de qui ici? Il sait que tu es célibataire. Il sait que tu dors dans une maison bizarre. Il sait que tu ne travailles pas. Il sait que tu as des problèmes de découvert. Il sait que tu as beaucoup de choses. Il dit seulement, Jacob, comment tu t'appelles? Je veux savoir ton nom. Dis-moi comment tu t'appelles. Je m'appelle maladie, rends-moi guérison. Je m'appelle célibat, rends-moi mariage. Je m'appelle bassesse, élève-moi. Je m'appelle en bas, mets-moi en haut. Je m'appelle erreur, rectifie-moi. Hey, comment tu t'appelles? Vous venez à l'église, vous levez les mains pour dire, Seigneur, regarde-moi, je t'aime. Moi, j'aime pas Dieu maintenant. Il y a une situation. Règle ça. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous louerez mon nom. Tant que je n'ai pas mangé et que je ne suis pas rassasié, je ne loue pas son nom. Je dois manger, me rassasier, louer son nom. Manger, me rassasier, louer son nom. Manger, me rassasier. Oh, kata, kata, ya, ya, ya. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous louerez mon nom. C'est le principe par lequel on peut louer Dieu. Louer Dieu, c'est un état d'esprit libre. Tant que mon esprit est asservi, j'ai des problèmes. Je n'ai pas la force de les louer. Je dois atteindre la dimension où ma force psychique, ma force mentale, ma force morale est en équilibre. Lorsque j'atteins l'équilibre, je peux alors élever ma voix pour dire Père. Quand je vois les montagnes, tu es Dieu. Père, quand je vois les montagnes, tu es Dieu. Quand tu vois quelqu'un à côté de toi dire, oh, quand je vois les montagnes, ça veut dire que son compte bancaire est bourré aux as. Il marche avec une carte noire. Il n'est plus dans des mêmes propriétés. Il est bizarre. Il n'est plus au même niveau que toi. Alors il voit les montagnes. Pourquoi il voit les montagnes? Parce qu'il va d'avion en avion. Il voit les montagnes. Quand je vois les montagnes, écoutez, à la dimension dans laquelle Dieu élève, tu dois voir les montagnes. Voir les montagnes, c'est voir les grands. Marcher avec les grands, traiter avec les grands. Si tu commences à voir les petits, il y a un problème. Il vient te parler des problèmes de 200 euros. Commence à le fuir. Faut l'aider, hein? Et puis va. Quand je vois les montagnes, à un moment de ma vie, elle dit non, non, non. Il ne faudrait pas que je reste à ce niveau. Je dois voir les montagnes.
montagne. Alors Dieu a permis que mes yeux croisent une montagne. Et Dieu permettra qu'on croise d'autres montagnes. Parce que quand Dieu élève, il permet à tes yeux de voir. Alors, Ecclésiaste 4:2 nous dit, ce que mes yeux ont vu, je ne me suis point privé. Dis-voi les montagnes. Dis-voi les montagnes. Dis-voi les montagnes. Je ne dois plus m'arrêter. Un homme qui a un projet sur sa vie, lorsque Dieu parle sur ta vie, lorsque Dieu a dit, si la parole ne s'accomplit pas, va faire comme Tamar. Faut t'asseoir pour aller chercher le mari lui-même qui t'a promis l'enfant. Judas a caché, il a caché qui? Sheila. Judas ne voulait pas donner Sheila. Tamar a dit non. Comme il ne veut pas Sheila, moi mais je vais prendre Judas. Comme il ne veut pas donner son enfant là, je vais prendre papa. À un moment de ta vie, change de vision. Commence à changer de mentalité. Parce que chaque mentalité te donne une position. C'est ta mentalité qui te met dans des conditions. Sans une bonne mentalité, tu n'as pas de bonnes conditions. La mentalité crée des conditions. La condition te permet d'avoir des propositions. Lorsque tu as la proposition, tu as l'ambition. L'ambition te donne une élévation. Écoutez-moi bien, tu ne réussiras pas sans avoir ces facteurs. Change la mentalité, change le concept, change le langage, change le regard. Change les oreilles, change ta manière de marcher, ta manière de parler, ta manière de manger, change tes capacités, parce que chaque homme qui veut réussir doit changer de mentalité. Tu as la lance, dis j'ai la lance, dis j'ai la lance, mais tu n'as jamais lancé. Il y a d'autres qui ont lancé leur CV quelque part. Ça n'a pas marché, ils sont découragés. Oh, camarade. Tu prends, tu lances dans telle ambassade, ça n'a pas marché, tu pleures. Tu lances dans tel travail, ça n'a pas marché, tu pleures. Tu cherches tel travail, tu lances, ça ne marche pas. Écoutez-moi bien. L'échec, ce n'est pas. L'échec, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de dire que tu n'es pas admis. L'échec, c'est de ne plus jamais essayer. Un homme qui n'essaie plus. Il a échoué. Quand tu n'essaies plus, tu as échoué. Si je suis tombé hier, j'essaie encore là-bas. Peut-être je peux réussir aujourd'hui. Si je suis tombé encore aujourd'hui, j'essaie demain. Je suis tombé demain, j'essaie encore. La possibilité peut venir. Le miracle peut venir. Parce que j'ai la force, l'ambition, l'audace d'essayer. Tu ne réussis pas parce que tu n'essaies pas. Est-ce que je peux faire ce projet-là? Ça a marché. Mais essaie. Là, c'est tout mon salaire, mes économies. C'est même là-bas que tout finit. Et fait comment? Votre problème, c'est que vous n'avez jamais essayé. Qui veut essayer? Amen. Dis la lance. Qui a sa lance ce matin? Quand tu vas sortir de cette salle, va lancer. Qui veut lancer? Je proclame, sur tous ceux qui ont la faculté de lancer, que le Dieu de mes pères vous arrose. Si tu as l'ambition de lancer, que le Dieu de mes pères te donne le miracle, et que tu ne joues pas dans ce que tu cherches. Je déclare que les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Je déclare que tes ennemis se prosternent devant toi, comme jamais ils sont prosternés. Je déclare que tu réussisses en toutes choses, au nom de... Lève-toi, dis, je possède la parole. On va les lancer ce matin. Qui est prêt à lancer? Qui est prêt à lancer? Dis, je vais lancer ce matin. Tu as lancé dans telle entreprise, ça n'a pas marché, tu ne lances plus. Tu as eu le projet. Le projet a échoué, il a avorté. Tu es déboussolé, tu te dis que ta vie doit échouer. Non, une vie n'échoue pas. Nous étions plusieurs millions de spermatozoïdes. Il y a plusieurs qui ont couru vers l'ovule. Plusieurs ont échoué. Des millions sont tombés. Mais toi, tu as écarté les autres millions et tu es né. Ça veut dire que depuis tes entrailles de la mer, tu étais déjà vainqueur. Ce n'est pas sur la tête que tu vas échouer. Dans les entrailles, j'étais vainqueur. Sur la tête, je ne jouais pas. J'ai vécu des millions, si la tête je ne jouerai pas. J'ai vécu des milliers, si la tête je ne jouerai pas. Je ne suis pas tombé pendant que je courais vers l'ovule. Pourquoi sur la tête je vais échouer? Tu ne joueras pas au nom de... À qui je parle ce matin?
Dis, ma destinée va s'élever. Touche ton frère. Dis, je suis prêt à avancer. Qui vous a dit que Dieu descendra pour vous bénir? Tu n'as pas l'esprit d'innovation. Tu n'es pas créatif. Non, Seigneur. La Bible dit, l'injuste amasse pour le juste. Le voleur, il amasse pour moi. Le drogué, là, c'est pour moi, il amasse. Non, vous pensez, non, c'est un évangile concentré, interdit au moins de 18 ans. La Bible déclare que le roi des Tyr, c'était un grand sorcier. Même dans la franc-maçonnerie, le roi des Tyr, il est utilisé comme une image typique, un homme qu'on respecte, le roi des Tyr, le bâtisseur. Mais écoutez, c'est lui qui est venu donner du bois de Liban, de l'or à Salomon. Salomon n'a pas dit, va, tu es païen. Il a pris pour bâtir le temple de l'Éternel. Mais vous pensez que Dieu va descendre pour vous? Non, écoutez, il y a des choses dont vous devez profiter. Quand ça arrive à toi, utilise la sagesse pour rentrer dans... Oh, oh, oh. Utilise ta sagesse pour posséder la chose. Seigneur, j'attends mon homme. Non, 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 lui là, il n'est pas bien. J'attends, tu attends. Les autres vont profiter. J'atteins une dimension où je n'ai plus peur. Je sais que de toutes les façons, je suis mort en Christ. Je cherche qu'elle meure encore. Amen. La Bible dit, nous sommes morts en Christ. Tu as peur de quoi? Tu es déjà mort. Non, je ne sais pas ce que tu cherches. Tu es déjà mort. Tu as peur de mourir encore. Fonce. Dis à ton frère, je commence à foncer. Non, dis-lui, je commence à foncer. Quand c'est interdit, on dit le sabbat, on ne guérit pas quelqu'un. Jésus dit, oh, avec voix. On dit, mais c'est le jour, il dit, laissez-moi. Moi-même, je suis le sabbat. Il y a un moment de votre vie, la loi ne doit plus vous interdire. Il ne faut pas aller violer la loi de la France. Camarade ici, là. Tu as violé les lois à Noula. Amen. On ne viole pas la loi de la France. Mais je parle des lois spirituelles. Il y a certaines lois qui vous disent que parce que ton père est mort pauvre, toi tu dois mourir pauvre. Ce n'est pas la loi qui me concerne. Il y a une loi qui me dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il y a une autre parole qui me dit que vous mangerez à la table des rois et les princes seront vos nourriciers. Il y a une autre parole qui me dit, je souhaite, il dit quoi? Il dit, je prends plaisir à la prospérité de mon serviteur. Quand le serviteur prospère, Dieu est dans le ciel et puis il est content. Vous êtes toujours une épreuve. À un moment, il ne faut plus manger la manne. La Bible déclare que nos pères ont mangé des raisins vêtes et les dents des fils ont été agacées. Ce n'est pas les fils qui ont mangé, c'est le père. Si ton père mange des raisins vêtes, tes dents seront gâtées. Ce n'est pas la dent du papa qui est gâtée, mais c'est les dents de l'enfant. C'est bizarre. Si ton père ne voit pas grand, toi tu verras jamais grand. Nous on voit grand, alors votre temps ne doit pas être agacé. Nous on voit le trône, ne voyez pas la bassesse. Nous on voit la hauteur, ne voyez pas la bassesse. Nous on voit la grandeur, ne voyez pas la bassesse. Nous on voit l'élévation, ne voyez pas la bassesse. Ce que nous on voit, vous devez voir. La Bible dit, Jacob leva les yeux et vit en Égypte du blé. Il envoya ses fils, c'est le père qui a vu. Le père voit et puis le fils exécute. Ce que le père ne voit pas, le fils ne peut jamais exécuter. Voilà pourquoi je dis, je vois pour toi un mariage glorieux. Lève-toi et possède cela au nom de... Ce que le père voit, c'est ce qui t'arrivera. Si le père n'a rien vu, tu ne verras rien. Voilà pourquoi Jésus, il ne voyait pas sa vie terrestre. Il voyait sa vie élevée dans le ciel. C'est ce que ses fils habitants ont vu. David a eu l'intention de bâtir le temple. C'est Salomon qui a bâti. Amen. Un père qui ne voit rien, camarade, ça veut dire qu'il y a problème. Je suis content pour mon frère. C'est un père d'abord qui voit dans le physique et puis qui voit dans le spirituel. Non, écoutez-moi bien. Qui veut réussir? Dis à ton frère, fais confiance à ton père. Il faut croire ce qu'il voit.
C'est ça ce que je vois pour toi. Touche ton frère. Dis, qu'est-ce que papa voit? Non, dis-lui, qu'est-ce que papa voit? Ce que je vois, je ne te vois plus dans une maison bizarre. Je te vois habiter dans le 92, dans une maison aussi élevée, pavillonnaire. Je te vois élevé avant ton entreprise. Je te vois prospérer où les gens ont échoué. Je te vois réussi où les gens n'ont pas baissé. Je te vois béni où les gens ont été maudits. Je te vois marié où les gens ont échoué. Au nom de... Alléluia! À qui je parle ce matin? Rentrer dans la dimension de la lance. Un message qui n'est pas pour les enfants. On doit rentrer dans la dimension de la lance. Tu fais tontine. Depuis que tu as bien en France, c'est tontine. Tontine. Quand on t'appelle tantine. Tantine. Et tontine, ce que tu as fait, ça n'a rien réalisé. Mais c'est une perte de temps. Un homme doit épargner. Il doit penser projet. Dieu n'a pas bâti, il a bâti le monde deux fois. Vous savez que le monde a été construit deux fois? Dieu a d'abord pensé à la terre. Et puis il a matérialisé. Le beau travail de l'architecture, de l'architecte, ou le travail architectural que vous voyez, ce n'est pas un travail qui est né du néant, c'est né d'une pensée. Tu peux vaincre la pensée, mais tu ne peux pas vaincre le penseur. Tu peux détruire ce que j'ai pensé, mais moi le penseur, tu ne me détruiras pas. Tu ne détruiras pas. Tu ne détruiras pas. Les gens veulent détruire une pensée en Côte d'Ivoire. Ils ont tout fait. Ils peuvent pas. Le penseur est là. Et tant que le penseur demeure, la pensée est là. Ils ont vécu même le penseur, Martin Luther King, mais sa pensée est restée. La Bible dit le troisième élément, il dit prenez des actes, dit lac. Je termine par là. Pour bénir Esaü, son père Jacob va lui dire, il dit prends ton acte. On ne bénit pas un homme qui n'a pas d'acte. Prends ton acte, je vais te bénir. L'acte c'est la vision. Parce que l'acte c'est à viser et à projeter un outil. Un homme qui veut réussir, qui n'a pas de vision, il est un problème pour son entourage. La vision n'est pas le regard. Le regard n'est pas la vision. Le regard indique l'orientation. Mais la vision possède l'héritage. Le regard, c'est là par lequel je peux fixer mes yeux dans une direction. Mais la vision vois les détails. Tu veux réussir dans ta vie, mais tu n'as pas encore la vision. Tu n'as pas encore les détails de ton projet. Tu n'as pas encore les détails de ton objectif. Tu lèves le matin, tu veux réussir. Est-ce que tu as ton acte? Tous ceux qui ont réussi avaient d'abord frotté quelqu'un qui avait le trône. David n'est pas quitté de la brousse pour venir au trône. Il a marché à Jonathan. Il a commencé à s'habituer à Jonathan. Jonathan a enlevé ses vêtements. Quand il a mis sur David, David a aimé le trône. Il dit, avis de trône, c'est doux. Depuis ce jour, David a eu la vision du trône. Il a eu le goût du trône. Il a le plaisir du trône. Il a commencé à aimer le trône. Il a eu la vision du trône. Parce qu'il a marché avec quelqu'un qui habitait dans le trône. L'autre élément, la Bible déclare que Jonathan l'envoie dans la maison. Tu ne réussiras pas sans avoir la vision de frotter les endroits nobles. Il faut avoir la vision de frotter, coudoyer les endroits nobles, honorifiques, mirifiques, paradisiaques, édéniques. Quand il est rentré dans le palais, il a vu la construction, l'or, il a vu la table, il a vu les mets du roi. Il dit, je veux être roi aussi. Eh Seigneur, fais de moi un roi. Écoutez, souvent,
Tu n'as pas été révolutionné parce que tu n'as pas frotté un endroit qui peut booster ta foi. Mais quand tu rentres dans les endroits qui boostent ta foi, la révolution commence. Il y a une chose qui bouge en toi. L'héros qui dormait en toi se réveille. Il dit non, 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 non. Je ne supporte plus ma situation. Je ne supporte plus mon état. Je ne supporte plus. Il y a un héros qui dort en toi. Il a besoin d'éternuer. Il doit éternuer. Il doit éternuer. Quand il éternue, ça veut dire qu'il est en train de se réveiller. Quand il se réveille, plus rien ne l'arrête. Qui me dit amen? Qui est d'accord? Qui est d'accord? Ta foi n'a pas été boostée parce que tu as accepté les endroits. Les endroits qui ne sont pas nobles. Dis amen. Dis ma vision doit changer. Si tu avais la vision d'être célibataire, commence à avoir la vision d'être marié. Écoutez-moi bien, quand tu te vois marié, le fiancé vient d'abord. Comment quelqu'un qui va dans le miroir qui dit, moi je suis vilaine. Tu te lèves le matin, tu t'es maquillé bien. C'est vilain, c'est quelle fronce elle a même. Il y a mon ventre. C'est là qui va me marier. C'est des paroles qui impactent ta vie. Parce que tu ne te vois pas belle, l'autre ne te verra pas belle aussi. Mais quand tu te lèves le matin, même s'il bouche les corps pour l'autre là qui est au pays là, c'est pas grave, vois-toi comme quelqu'un qui est possible d'avoir un mari. Parce que rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit, si tu crois, si tu crois, tu verras ma gloire. Dieu te demande une seule chose. La gloire, ce n'est pas pour toi. Faut croire. C'est lui qui envoie la gloire. Qui est d'accord? Dis-moi amen que je parle. Dis-moi amen que je parle. Mais tu te lèves le matin. Tu vois ton fils, on te donne son relevé. Et puis il a eu 8 des moines. Tu dis, mais papa, tu es bête, hein? Y'a que moi, il est bête. Mais c'est ce que tu vois sur lui, c'est ce qu'il deviendra. Dieu ne donne pas ce qu'on ne voit pas. Si tu commences à voir dans ta tête la prospérité, tu seras prospère. Mais il ne suffit pas de voir. Il faut avoir le désir ardent de le toucher. Qui est d'accord? Qui veut que sa vie change cette année? Ta vie doit changer cette année. Il y a quelque chose d'anormal qui doit t'arriver. Tu as été trop accoutumé à la normalité. Tout est normal dans ta vie. Mariage normal. Tu as eu un gars normalement. Petit travail là, c'est normal. Ta vie doit changer de sens. Tu dois avoir un travail anormalement. Tout doit changer. On s'est dit, mais celle-là, elle ne mérite pas le poste. Mais parce qu'elle voyait le poste, elle a mérité. Elle n'avait pas les aptitudes pour obtenir ce poste. Mais elle voyait le poste. On ne possède pas ce qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi je termine par là. Josué envoie 12 espions à Jéricho. Il dit, allez voir. Allez voir la ville. Faites la cartographie. Mettez-vous dans les lieux élevés. Ayez une vue panoramique de la ville. Vous voyez la ville. Vous avez vu maintenant, c'est bon. Maintenant, allez me prendre les fruits. Voyez la ville. Voyez ses forces, voyez ses faiblesses. Revenez. Dieu ne donne pas ce que tu n'as pas vu. Dis amen. Dans le sens de la vision, c'est ce que tu n'as pas vu. Ce que tu n'as pas vu ne vient pas à toi. Mais dans le sens de la foi. La Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. Ça veut dire quoi? Je démontre ce que je ne vois pas. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas marié, mais tu démontres que tu es en train de te marier. Tu vas te marier. Tu n'as pas de travail, mais matin tu te lèves en étant au travail. Pas aller appeler les gens, Papa Toya, amen.
Quelqu'un me dit amen. Tu n'as pas l'argent, mais tu te montres comme si tu as l'argent. Dis, mais lui, l'entrée, sa vie est en train de changer. Il a sa chaussure. Oh, il a payé ça quelque part là-bas. Il a négocié 25 euros. C'est sapé dedans. Mais il démontre les aspects de la richesse. La foi, c'est une démonstration. Ce que tu ne démontres pas, tu ne l'obtiens pas. On veut réussir, mais on n'a pas encore la nature de la démonstration. Ce que tu démontres vient à toi. Voilà pourquoi depuis un matin, depuis un moment, j'ai changé ma manière d'être. Je démontre la richesse. Je démontre la grandeur. Écoutez-moi bien, par ma manière de vie, ma manière de penser, je démontre cela parce que je n'accepte plus la bassesse. La bassesse est une maladie contagieuse. Un homme qui est pauvre, il contamine. Et puis celui qui est pauvre à 99%, il peut aller en enfer. Non, celui qui est pauvre à 99% va en enfer. Dis-moi pourquoi. Tu veux savoir? Qui n'a pas compris? Un homme qui est pauvre à 99%, il a une petite brèche pour aller en enfer. Parce que quand tu es pauvre, tu vois celui qui est riche, il dit cela, c'est drogue qu'ils vendent. Tu as péché. Hein? Quand tu es pauvre, tu es jaloux. L'autre a réussi, tu dis, il y a de ceux-là, ils font les choses bizarres. Quand tu es pauvre, tu te dis, non, lui-là, il fait des magouilles en bas. Quand un homme est pauvre, il ne pense pas bien parce que lui-même, sa condition le condamne. Il veut condamner tout le monde. Il était danger pour le ciel et pour la terre. Voilà pourquoi Abraham, l'ange n'a pas allé visiter une autre personne qu'Abraham. Parce qu'Abraham avait des biens. Il avait des troupeaux, Dieu a vu vache, grasse. Il dit, non, il est passé là-bas, il est mangé. Le pauvre, à 99%, il n'a pas la visitation de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a marché avec Arimathée, avec Madeleine, avec, comment il s'appelle, Zachée le riche. Il a marché avec des personnes qui avaient une certaine carrue. On dit non, cela prêche une doctrine, il parle de l'argent. Écoutez-moi bien, l'argent là, ça ne quitte pas au ciel pour tomber. C'est des hommes qui n'avaient rien, qui sont nés avec rien, qui ont eu la volonté d'être riches. Tu peux être comme ça, pourquoi condamner l'autre? Quelqu'un me dit amen. Donc la pauvreté en quelque sorte, c'est le chemin vers l'enfer. Et bien un homme qui est pauvre, il est très contagieux. Il veut t'injecter son virus. Pour lui, un jour je marchais avec un gars, je termine par là, il me dit. Je lui dis, moi, on te donne le corojo. Tu as un corojo? Les quais. Quel est le quais? Je suis en caoutchouc là. Quand on prend les gars d'Adjamé, quoi ça? Adjamé, à Bobo, Adjamé. Voilà, c'est ça qu'on appelle les quais. Il dit, on te donne les quais. Et puis on te donne une Weston. Qu'est-ce que tu vas prendre? Il dit, à cause de l'amour de Dieu. Comme la Bible a dit d'être pauvre en esprit. Je vais prendre les quais. Il dit, donc, les quais, là, c'est ton esprit qui a porté. Il y a des gens qui veulent montrer une apparence d'humilité. Ils portent des vêtements bizarres. Avec combo dessus. Habit blouon. Ou bien EDF. Il marche avec des bizarres. Il est bizarre. Pour dire que non, lui, là, Dieu doit avoir pitié. Dieu, il ne prend pas pitié. Dieu a compassion. C'est les hommes qui prient, qui disent, Seigneur, aie pitié. Qui me dit amen? Alléluia. Voilà pourquoi tu dois changer ta vision. Change ta mentalité. Pour que Dieu t'élève. Tu dois commencer à voir grand. Acclame le Seigneur et tu rentres dans ta destinée. Au nom de... Acclame le Seigneur puissamment. Acclame le Seigneur puissamment. Acclame le Seigneur puissamment. Puissamment. Attrape la main de ton frère. Tu vas lui dire, on doit bâtir. Mais il nous faut des âmes. On ne bâtit pas sans des âmes. Tu vas dire à ton frère, qu'est-ce que tu veux bâtir dans ta vie? Moi, je veux bâtir cette église. Je veux réaliser beaucoup de choses ici. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Dis à Dieu de te donner des âmes, de t'équiper spirituellement, physiquement. Si tu manquais de finances, que Dieu te permette d'être riche. Si tu n'avais pas une certaine occasion, que Dieu crée des occasions dans ta vie. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Dis à Dieu de modifier le cours de ta vie. Prie le Seigneur, parle à Dieu.
Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je crie à toi pour que le cours de ma vie soit modifié. Tous les domaines de ma vie qui n'avaient pas réussi, qui s'étaient arrêtés, permets par le nom de Jésus-Christ que ma vie soit modifiée, que le cours de ma vie soit modifié, que j'arrive à témoigner de la grandeur de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. On va répéter ensemble. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Seigneur Jésus, merci pour nos vies que tu as impactées ce soir. Nous te rendons toute la gloire parce que le jeudi, nous avons rendez-vous avec toi. Éternel, impacte nos vies. Bénis-nous. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur, la longévité, la grâce, la sagesse m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Éternel, tu bénis mon départ, mon arrivée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.